tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bloc, la chaîne qui je suis tout seul aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec Valérian, on va filmer. Voilà, on va filmer, essayer quelques plans cinématiques pour une occasion spéciale, une deuxième occasion spéciale. On va inviter tout d'abord Lorraine à me rejoindre de Côté Bloc, une deuxième de Côté Bloc, Marion. Marion, ça va ? Hello, oui, ça va. C'est le deuxième vlog féminin aujourd'hui et on a invité des invités. On a invité des invités. On a invité des copines. On a invité des copines. Ça vient de Nancy, tout ça. On a invité d'autres grimpeuses à venir se confronter à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Confronter, on va faire plutôt une séance de grimpe sympa, quoi. Du coup, on va les appeler. Eva ! Alors Eva, ton profil. Alors, je suis la plus grande de la team. Fin de l'histoire, voilà. Next, Sarah. Bonjour. Je n'ai rien à dire, mais je suis très contente d'être là. On appelle Marine. Marine, trois mots pour te définir. Moi, du coup, je suis débutante, donc voilà, j'ai pas du tout le niveau des autres. Qu'est-ce que t'en fais ? Et la dernière invitée, elle était là, au premier vlog féminin, Jasmine de Nancy. Ça va, Jasmine ? Super. Trois mots pour te définir ? La polypocket de l'équipe. Ok, la polypocket de l'équipe. Et ben voilà, j'espère que ce format va vous plaire. Alors Marion, ce B4 là, noir, ce B4 noir là, là, derrière moi, comment tu le sens ? Bah bloc de chauffe quoi. Bah départ, ouais, ça va être... Va falloir bien jouer avec les positionnements, bien placer ses pieds, et puis faire du, je pense, un peu avec la paroi. Tiens, présente le bloc, toi. Eh ben d'accord. Le bleu ? Ouais, le bleu. Il y a trop de prises, donc ça devrait aller. Petit B3 pour la chauffe, un petit peu hors des verres, donc ça peut être sympa. Quelques grammes de coton biologique. Oh, j'accepte pas. Redis ça dans la caméra, Lorraine. On peut pas tout dire dans la caméra. On peut pas tout dire, non. Non, je ne redirai pas. Ma gueule un peu. La spontanéité, c'est le mieux. Il fallait que tu filmes au bon moment. On m'attaque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu me défends pas? Ça clash pas. J'ai un style japonais. Marion, t'es en forme aujourd'hui? J'ai bien mangé, mais je crois que on va me dire que c'est le problème dans les blocs. Chaque fois, je mange beaucoup. Mais ouais, disons que j'ai eu un repas de famille, alors je suis bien lourde. D'accord. T'as mangé quoi? Une choucroute? Non, lasagne. Ah, lasagne. Lasagne et trois parts de gâteau. Ouh, ah oui, quand même. Mais j'ai un peu exagéré. C'est un bloc côté B6 avec des prises bitexture, un petit peu fuyante par moment, mais sinon voilà. De vue comme ça, je pense que je l'appelle, mais je suis pas sûre. Genre.
peu plus intéressant au niveau des placements. Bon alors on passe sur quoi maintenant? Vous voulez monter d'un cran dans une B7 par exemple? Bon, vous n'avez pas un petit truc à me raconter sur Baptiste là pendant que j'étais pas là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il est à lui-même quoi. Okay. Humble quoi. Exactement. Bah allez, vas-y. T'es pas obligé de faire un gros plan hein. T'inquiète, c'est pas un gros plan. C'est un giga gros plan. C'était pas comme ça que c'était censé être fait. C'était bien, on me dit que c'était bien, c'est gentil. Non mais si, ouais. Non mais si. Mais non, ouais, c'est pas tenu. Ouais. De là pour aller à la blanche qui est dans le rouge. Bah ouais, temps de digestion, hein. Il commence à passer. Bon, j'ai arrêté de parler de bouffe. J'ai jamais entendu autant d'excuses dans un vlog. Bizarre ça. Ouais. Non, sur un vlog féminin, parce que là où il y a Baptiste, on entend oh, des excuses. Hein. Pourquoi je me fais claquer à chaque fois que je fais un vlog féminin? Oh, c'est surtout Baptiste, il coupe au montage. Hein, c'est même pas moi qui fais le montage. Tout, hein. Bon, qui pour nous parler un peu de ce bloc là? Au hasard. Au hasard, Lorraine. Au hasard, quoi. Eh ben écoute, c'est des petites cornes. T'es pas obligé de mettre si proche, je sais que t'aimes bien ça. Mais... Non, c'est des espèces de cornes là, où c'est quasiment les mêmes prises tout du long. C'est des prises requins. Ouais, tu peux les appeler comme ça. Après la suite, elles sont un peu plus rondes. Il n'y a pas trop de petits pieds en plus, c'est les pieds là où t'as mis les mains avant quoi. Donc faut pas les monter trop vite, pas les laisser trop bas non plus. Enfin voilà quoi. Ok. Lorraine a une grande, grande brosseuse. Voilà, on en profite pour rappeler que brosser ses prises, c'est important. Non. En extérieur, un peu moins alors. En extérieur, un peu plus même. Bah, on nous a dit dans le vlog de Blo que c'était pas bien de brosser les prises. Non, mais le mec, y avait une erreur dans ce truc. J'ai pas bien compris le commentaire. Non, en plus, j'ai pas compris. Je crois que, oui, il a oublié un mot dans sa phrase ou il a pas compris. Apparemment, ça abîme la paroi. Bah, après, il faut brosser avec des brosses, pas des brosses dures, enfin pas des brosses métalliques. Oui, voilà. Voilà, tu brosses avec une brosse d'escalade, toi. Et voilà, aussi, justement, il faut nettoyer sa magnétie. Bah, oui, voilà. Que ce soit en bloc ou en falaise, tu nettoies ton passage, quoi. On est d'accord. Il a l'air intéressant, c'est un bloc que j'aurais bien aimé faire.
Je me soumets. Je m'exécute. Chercher la première corne, ça va, mais c'est vrai qu'ensuite pour se remonter et aller chercher la boule d'après, j'étais pas du tout bien au niveau des pieds et je savais pas trop comment me placer pour réussir à valoriser la prise, quoi. Ok, ça marche. Ah, le move là après pour. Je me suis foutue en boîte toute seule. C'est pas du tout mon type de bloc. Okay. Mais du coup, c'est pas grave, on va voir. Il a un peu le bois Réliat. En fait, si tu laisses tes pieds trop bas, bah t'es coincé. Donc t'as envie de les monter haut. Mais t'es en boîte. Mais en même temps, si tu les montes haut, sur des plats, bah t'as le cul qui part en arrière. Du coup, c'est encore plus dur de tenir les plats. Marion, tu te sens à la passer? Non, je sais pas. Non, mais faut pas partir défaitiste. Non, je pars pas défaitiste, mais le move de fin est vraiment très dur et je pense que je me crame avant. Des B8 que je passe et d'autres que je passe pas du tout. Ouais. Oui, ça dépend qui ouvre. Ça dépend qui ouvre et le style. Il y a juste moyen que tu fermes ta gueule avec ta choqueuse ou pas? Non, ça c'est pas possible. Non. Je travaille moi, monsieur. Ah, d'accord, ok. Ah, oui. Vous travaillez ici? Exactement, exactement. Là, vous... Je travaille ici et moi je suis pas là pour le. Enfin, voilà, je suis dans mes heures de travail pendant que vous vous amusez là, vous faites vos petites vidéos. Je sais pas que ça a fait. Eh ben, je suis coincée. J'avais les genoux coincés dans le mur.
Bah, je sais pas. Moi, j'avais lu d'avoir main gauche dans le petit trou, j'avais main droite. Ça commence légèrement à s'énerver du côté de Lorraine. Mais non, mais j'ai l'impression que tu vas la voir et en fait, au dernier moment, t'es bloqué, tu peux pas aller aussi loin que ce que tu voudrais. T'as le genou qui te glisse. T'as le genou, il rentre dans le mur. Allez. Sans doute, c'est la fin de la vidéo, allez. On est tous en groupe à la fin. Et voilà, abonnez-vous et c'est un pouce bleu. Un sacré pouce celui-là. Donnez-moi un pouce. C'était pas évident, on a eu des blocs un peu difficiles en étant pas forcément encore bien échauffés, mais c'était très sympa. Bah, de chouettes ouvertures, donc ça fait toujours plaisir. On est là pour ça, on s'amuse. Mmh. Entre filles. Hey, c'était moins amusant parce qu'il y avait des garçons avec nous, mais c'est pas grave, on les aime bien. On va essayer de trouver une fille caméraman. Comme ça, vous serez sur un vlog 100% féminin.